Appelez-moi ici des Bordeaux, identifiez-moi ici votre des Bordeaux, je vais lui parler. Oui, je vais lui parler. D'abord, je tiens à féliciter les deux artistes, Yedo et Siro. Je pense qu'ils s'appellent comme ça, excusez-moi, parce que moi je ne les connaissais pas. Mais comme j'ai des potes ivoiriens, donc à travers, et donc maintenant je connais Yedo et Siro. Donc là, Yedo et Siro, ils ont fait un bon boulot, ils ont véhiculé un message très important entre les deux nations, entre Côte d'Ivoire et Mali, surtout entre la population africaine. Félicitations, Yedo et Siro. C'est comme ça. On veut des artistes comme ça, qui véhiculent un bon message entre la population africaine. Parce que nous tous, on est des frères. On est de même père, même mère. Donc, Mali, Côte d'Ivoire, c'est la famille. Je pense que Yedo et Siro, ils ont compris depuis longtemps. C'est des artistes intellectuels. C'est des artistes qui sont bénis. C'est pour cela qu'ils ont construit quelque chose dans leur vie. C'est pour cela que tout le monde les aime. Voilà, tout le monde les adore parce que c'est des artistes qui connaissent comment la situation de l'Afrique. C'est des artistes qui connaissent, en tout cas, tous les Africains, c'est la même chose. Donc, Yedo et Siro, en tout cas, félicitations à vous. De Bordeaux, écoute-moi, regarde Yedo et Siro, prends cet exemple, arrête d'attirer la haine entre les frères africains, entre les pays africains. Tu as un talent incroyable, mais tu ne vaux rien, c'est ça le problème. Parce que tu es un enfant maudit. C'est ça le problème. Quelqu'un qui est maudit, il ne va jamais arriver, même s'il a un talent. Et comme toi, depuis que tu as commencé à chanter avec Guigui Arafat, tu as construit quoi? Tu as quoi? Tu n'as rien, mec. Rien absolument. Tu n'as pas maison, tu n'as rien. Tu gagnes des millions, mais tu n'as rien. L'argent, donc l'argent part comme ça. Parce que tu es en train d'attirer la haine entre les frères africains. Soit tu attaques Congo, soit tu attaques Cameroun, soit tu attaques Mali. Laisse les politiciens régler leurs problèmes. Toi, tais-toi, fais ta musique. Tu as un talent incroyable. Mais comme tu es maudit, c'est pour cela que tu n'arrives pas à percer. Parce que tu ne vas jamais faire une tournée en Europe ou bien en Afrique. On ne voit pas. Tu vois, tu restes toujours en Côte d'Ivoire. Tu es tourné en Europe, c'est dans les maquis. Regarde Sidiki Diabaté en ce moment. Oui, regarde Sidiki Diabaté. Regarde Ibawan. Regarde Gianni Alpha. Regarde Yedo et Siro. Regarde plein des artistes ivoiriens. Serge Beno. Mais toi, tu es où aujourd'hui? Réfléchis-toi. Je te parle. Et écoute aussi.